va fabriquer là pour ce soir. Mais non, je la garde. Allez, non, mais je la garde. Allez, allez, non, on mais va la fermer, vous. Oh. Mais quoi? C'est à cause de toi ah que ce soit échappé. Non, mais sérieux, c'est quoi ma faute? Bon, lâche ça, c'est bon. Oh, qui c'est ça? Attrapez-les! Courez, courez, fuyez, vite, vite! Je veux pas te laisser ici, papa. Cours! Oh, les gars, qu'est-ce que tu fais? Major! Reviens avec nous! Non! Lâchez-moi! Je te retrouverai, papa. Je t'abandonnerai pas. T'inquiète pas, papa va s'en sortir, il est fort. Regarde, ce soir, la lune brille, elle veille sur nous. Oui, c'est magnifique. Ah, ça va, qu'est-ce que... T'as vu, elle est fraîche. C'était quoi ça? Je veux pas vous voir là. Ça fait merder, mec. Carlos, tu m'expliques ce qu'il y a eu là? Il s'est passé quoi? Ne vous inquiétez pas, on a le père. De quoi on a le père? On a ligoté. On a le père. Il reste plus qu'à chercher les enfants. Foutez de ma gueule ou quoi, les gars? Non, on a le père. Et les enfants sont partis dans cette direction. Les enfants? Vous me dites qu'il y a des enfants dans la forêt là? Il y a 200 000 euros là, mec. Ils sont où? Nos petites affaires là? Chef, il n'y a pas de problème. Comment on va les faire sur le retour? Chef, comment on va les faire? Il est ligoté, le père. Écoute-moi bien, Carlos. Je vais te cacher là. Je vais faire diversion. Tu veux être le chef, aussi. On a tous merdé, chef. Mais on va rattraper le coup. On va charger de la mission. Les enfants sont passés dans cette direction. Écoutez, vous les aurez. Chargez-vous la mission. Une heure, je vous laisse. Une heure. C'est 30 minutes, ça sera fait. Barrez-vous, maintenant. Barrez-vous. Une heure. Chaque minute, on perd de la thune. Chaque minute. Hein? Et ces putains d'animaux en cage, là. Hein? Ils sont où? Ils se sont échappés. On les vend comment? Vous allez finir comme Enzo? C'est ça que vous voulez? Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Vous voulez que je vous arrache les dents? On va les avoir. On fera pas les mêmes erreurs, chef. Tu veux qu'on vende... On va vendre tes dents sur le marché noir comme lui? C'est bon, Carlos. On va les ramasser. Chef. Barrez-vous. On va les attraper. On va les ramasser. Allez, arrête de faire le chef, toi. C'est bon, je fais pas le chef. Tu as même pas de nom. Tu as même pas de nom dans notre équipe. Alors tu fais pas le chef. Vous fermez vos gueules, vous barrez-vous maintenant, s'il vous plaît. On va les suivre, on va vous les ramener, De là. D'accord, on va vous les ramener. Viens avec moi, toi. Écoute-moi bien. Non, reste ici. Fantôme. Tiens donc. Aïe. Soit tu me suis, soit on prend de manière forte. C'est un cauchemar. T'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Tu sais, papa serait fier de toi. Mais te laisserai jamais, je t'aime. Où est ma sœur? Tu es donc là, petit. Descends donc, sinon tu ne verras jamais ton père ni ta sœur. Vous laisserez pas me séparer.
Attrapez-moi, bande de bouffons! Je vais Tu fais quoi toi ici? Je cherche le petit. Quel petit? Le garçon. Tu te payes ma tête ou quoi? Non. Et elle est où la fille? Je sais pas. Tu me sers plus à rien alors, à genoux. Ramasser, je vais à genoux, je te dis. Je te dis, tu vas crever. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ah, Carlos. Comment tu tombes bien, toi. Tu me l'avais pas dit. Tu hein. Vois que c'était ton frère, lui. Hein? T'imagines à cause de toi. Ce qui se passe alors maintenant, tu vas le buter. Je vais te voir en train de le faire, vas-y. Prouve que tu es un vrai braco. Cord, tu vas pas faire ça. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu vas crever sans même avoir de nom, toi. Allez, c'est long. Non. Débarrasse-toi-en, je te dis. Non, Carlos. Non. S'il te plaît. Allez, c'est trop long, là. Viens, là. Non. Non. Regarde-le, s'il te plaît. En train de crever, regarde-le. Tu seras plus fort. C'est toi, le futur chef. Viens avec moi. Ah, mes bébés. Ça va, mes bébés? Oui. Ça va, ma chérie? Allez, il faut que vous soyez fort, d'accord? Il faut que vous partiez. On va pas partir sans toi. Si, je suis enfermé là. Allez chercher de l'aide, tu es le plus grand. Tu veilles bien sur ta sœur, d'accord? Allez, soyez fort, mes chéris. Chope le gosse. Et toi, tu viens avec moi. Je suis vraiment une petite fille. Viens, allez. Viens par là. Amène-les là-bas. Amène-les. Allez, dépêche-toi. Fous-les ici. Assis-toi. Voilà. Bon, écoute-moi, Carlos. Faut qu'on parle. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire des gosses là? Hein? On va rien faire là. Ils vont parler, ils nous ont vus. Écoute. Si on fait du bruit avec cette arme, on est à l'extérieur ici. On peut pas. Tu vas t'en occuper, tiens. Prends cette corde. Tu veux que je fasse quoi avec cette corde? Je le sais très bien, tiens. Allez, Carlos. Étrangle-les. Ok? Tu fais ça vite et bien. T'es suffi, Carlos! 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 Hé, mon frère, il s'appelait Price.
J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? En fait, il y a des braconniers, ils ont enlevé notre papa. Ne vous inquiétez pas, on va aller au poste de police le plus proche et on va le retrouver. On va le retrouver. Ok, merci, monsieur. Ah, les enfants, j'ai une bonne nouvelle. Votre papa vient d'arriver. Nico, puisque tu es là, tu peux aller le chercher, s'il te plaît, à l'accueil? Bien, commandant. Je vous remercie. Il se remet. Dans un monde où le braconnage persiste, des milliers d'enfants dès l'âge de 7 ans sont forcés d'y participer. Un chiffre alarmant, reflétant une réalité préoccupante. Mais ce n'est pas seulement l'humanité qui souffre. Des espèces animales paient le prix fort, poussées vers l'extinction par la cupidité humaine. Chaque acte de braconnage contribue à une tragédie écologique. Informons, agissons, brisons le cercle vicieux. Protégeons les enfants, préservons la faune sauvage. Agissons maintenant.